Bonjour à tous et bienvenue dans En Résumé, le podcast de la médiathèque de Holzheim qui vous parle de nos coups de cœur culturels du moment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Clara et le Soleil, le dernier roman de Kazuo Ishiguro sorti chez Gallimard en 2021. Dans ce livre, on y fait la connaissance de Clara, un androïde conçu pour tenir compagnie aux enfants, les accompagner et les aider. Comme tous les autres androïdes, elle attend patiemment dans la vitrine de son magasin qu'une famille décide de l'adopter. C'est ce qui va finir par arriver quand Josie, une jeune enfant, tombe par hasard sur Clara. Elle et sa mère sont à la recherche d'un androïde pour prendre soin de la jeune fille gravement malade. D'abord hésitante, la mère décide finalement de céder devant l'insistance de sa fille, qui la supplie d'adopter Clara. C'est le début d'une nouvelle vie pour cette dernière qui va devoir prendre soin de Josie, tout en essayant d'en apprendre un peu plus sur l'espèce humaine. Clara et le Soleil, avant d'être un livre de science-fiction, c'est avant tout une histoire d'amour. L'amour d'une mère pour son enfant, l'amour d'un copain pour une copine, ou encore l'amour d'un robot pour un être humain. Au contact de Josie, Clara va découvrir toute la force de cet amour, un sentiment propre à l'être humain et qu'elle, en tant qu'androïde, ne comprend pas forcément. Sous la plume de l'auteur britannique, la relation entre l'humain et la machine, vue et revue à maintes et maintes reprises dans de nombreuses œuvres culturelles, est disséquée avec justesse et empathie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode en résumé. Si le livre que nous venons de vous présenter vous intéresse, n'hésitez pas à venir l'emprunter chez nous. À très bientôt pour un nouveau coup de cœur à partager. Thank you.